Esengo mingi iba ndeko, esengo lisusu ya kukuta na bino, na yambeli bino mwana mboka Papi Mbao, tukusola masula mboka alimu takoprezante lisusu te na chaîne na bino la Lyon TV officiel pe partisan RDC, tukusola masula ebele, ebele, masula ezali ebele, Papi Mbao esengo mingi ya kuyambayo. Na sepele mingi mama Paulette po tukutani na moya lelo, malgré santé tungisa ki, depuis que j'ai repris les activités, je pense que plateau ya yambo na bandeli ndeshi yo awa. Mais encore, il y a des gens qui ont été congolais, qui ont été congolais, qui ont été congolais, qui ont été congolais, qui ont été congolais. Nous avons enquête na makambolika ki enquête zaka kanku. Biso toza ko analyser kaka makambo to komona na ba réseaux sociaux. Et loka liboso na mona ki un compatriote a lobi makambo nyonso baza ko filmer. Nous avons fait des réseaux sociaux, des interrogatoires. Tout le monde a vu des images. Il a inventé en réalité. Il a vu des images. Tout le monde a vu des images. Il a vu des images. Dans tout, est-ce que tout est filmable et tout est postable? Ce qui est ça, c'est qu'en français. Est-ce que ce qui est ça, c'est la banquette d'abord? Depuis que nous avons fait des images, nous avons filmé, nous avons posté. Il y a un peu de temps. Nous avons fait des copies, nous avons fait des copies, nous avons fait des. Tout est filmable ou tout est postable? Bon, très chère maman Paulette, l'entrée des jeux directement, je m'en vais tout d'abord expliquer, n'a pas compatriote, surtout, à la différence avec ce qui nous gère aujourd'hui. Moi, Mbao, je voulais m'expliquer, ou soit partager un peu de l'expérience avec les compatriotes, parce que Congo, ou autogéré, qui en a pendant 18 ans, toutes les sensibilités, toi, comment est-ce que le pays ou la République se gère. Parce qu'aujourd'hui, en matière de sécurité, il y a les règles et le principe qui s'invitent à chaque action. Les lots. Mayouti koloba na ba vidéo to ko mon angosh sur la place publique. Les problèmes tout d'abord avec le régime Tshisekedi se poserait au niveau ya recrutement. Le recrutement ya bayiba ko sala ba actuana intervenirait ki na lolenge nini. Parce que aujourd'hui la société influence ka milliers oyo batuba ko bika. Yebisanga milliers o bazwa ki bato ba poser ba actuana. Ils ont été formés comment? Cette instruction a été opérée comment? Parce que les lots tout le monde que l'axisme mais ali mingi na ba secteur nyon surtout depuis le régime Tshisekedi ali na pouvoir. Je me pose la question. Les enquêtes sont encore en cours. Bokeyi na ndaku, c'est déjà à supposer que ndaku wana ba saya ba banda ko foute la yango. Ndaku wana et ali na kolo nango. Même si ali na kolo nango, pour les raisons d'enquête, on ne peut pas exposer les milliers parce que les enquêtes Oyo, OPJ, instructeur et à dossier à cause de la nango pour ça, il fallait les lier et Zalana nous sécuriser pour que d'autres personnes ne puissent pas identifier ou localiser les liens des crimes ou soit les liens déjà dénichés par le service d'intelligence. Mais fort malheureusement, lorsqu'on expose déjà cela sur la place publique, ça dérange déjà. Donc ça donne déjà beaucoup de travail ou soit les lacunes. Namutu oyo ali instructeur des dossiers au babinga kanalo poto pona a évolué malam parce que lorsque ba traquer ba malfrat si par exemple il y avait d'autres malfrats qui étaient encore dans le parage parce que na vocabulaire ya criminologie balobaka que non criminel azonga kaka na lié ya crime yango parce que bae basala ki bongo. Il y a des fois que bangonyo surtout balungwa kana site wana te. Raison pour laquelle que instruction et les alaka en cours, les milliers où on a détecté les actes posés par les criminels et épargna makate na kozala sous surveillance na bayeba ko instruire dossier sous les cas d'examen. Mais si déjà le fait est déjà exposé sur la place publique, on donne déjà lié, il y a fuite. Na prise ya ba précaution ya ba yeba ko bunsa république et puis on va se le dire que vous êtes intelligent, vous gérez la république. Non, on ne gère pas la république. Je pense qu'on est en train de gérer la république par le sentiment et les émotions, parce que aujourd'hui tout d'abord ba vidéo est allée virale. Comment est-ce qu'on est en train de tuer, comment est-ce qu'on est en train de tuer les Congolais, les présumés assaillants, les présumés assassins, parce que jusqu'à preuve du contraire, rien que les juges naturels qui peut définir Nani Ali assassin, Nani Ali assassin. Lorsque déjà Tomoni, un être humain déjà, Oyo, Ako Sila Kobung, Sabo Moina, Ena Lolengyona, tant qu'il n'est pas encore devant son juge naturel, je pense que ça dérange. Moi, je pense que j'aurais souhaité, si il y avait front entre les antipatries
ou soit entre les rebelles, ou soit avec les terroristes, avec l'armée régulière, là, je suis tout à fait d'accord. S'il y a des tirs qui tuent directement comme ça, on voit que de l'autre côté, ça tombe. De l'autre côté aussi, il y a les gens qui tombent. Là, c'est normal, ça se justifie. Lorsqu'il n'y a pas, cette front-là, ou soit cette résistance, à quoi une personne qui est déjà neutralisée, il est important aussi de l'abattre que d'auditionner aussi longtemps l'OPG instructeur des dossiers a besoin encore des éléments de la personne qu'on a ôté la vie. Je pense que ça, c'est l'amateurisme qu'il faut réparer tout de suite là. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, même dans le lengue, il y a un bateau, il y a un bateau, la sécurité, l'ennemi, lorsqu'il est neutralisé, on ne passe pas à l'acte pour l'ôter la vie. Lorsque l'ennemi est neutralisé, il faut puiser ce qu'il garde, ce qui est enfoui à lui, pour s'en servir, pour que l'État régulier, ou soit l'armée régulière, à se servir pour que, à protéger la population. Boni Moutou Oyo Ali Porter, il y a des informations si sensibles à mettre sur la place publique qu'à la place d'épuiser. Ces informations, mais Boli Moussié, soit tu bois battre à Koufi, mais à Koufi n'a pas d'information. Comment est-ce qu'on peut entrer maintenant en possession de cette information? Or, partant par principe à la formation, chaque cas, chaque dossier est à la qualité ou à niveau et à instruction par rapport à l'expertise et l'expérience et la spécialité du domaine. Aujourd'hui, lorsqu'on est en train d'auditionner Madame Paulette Kimoutou, on ne peut pas l'amener à une personne qui peut auditionner un criminel ou un terroriste. Parce que c'est lui qui va auditionner un terroriste, il est formé pour ça. Okay. Comment avoir les informations en chef d'un terroriste? Comment avoir les informations en chef d'un paisible citoyen ou journaliste que vous êtes? Donc l'audition n'est pas des mêmes... niveau. Gravité, ça peine. Voilà. Maintenant, si déjà tu te retrouves dans le lengue, bon, il y a mille questions à se poser. Quelle a été la motivation? Déjà, quand vous regardez les quoi, des vidéos, il y a déjà l'indiscipline qui s'invite en action. Celui qui se prétendait être supérieur dans cet détachement, il donnait les instructions qui n'étaient pas exécutoires par ses subalternes. Déjà, il se pose un sérieux problème. Papa Nangambao, si quoi par rapport il y a palais de la nation, dans la tuna qui mutuna, est-ce que bazongi ça va protéger les sous bazongi ça va barrière ndenge ezalaka ba kanga ba protéger tout ça, bat musuba lobby non même les États-Unis ba barrière ezalaka te tout ça batika biso tranquille ba renforcer kaka sécurité. Yo moni yango ndenge nini? Il faut bazongi ça ndenge tango souka bila ndenge ezalaka ba kangi ba ndela parce que de toutes les façons ali bureau mokonzi mboka to basala ndenge nini. Bon, madame, je pense qu'aujourd'hui, c'est par là que vous allez comprendre qui est amateur, qui ne l'est pas. Vous savez, lorsque les gens réfléchissent que non, dans les États-Unis, va barrer à la rate. Non, la technologie sécuritaire des États-Unis ne peut jamais se comparer avec la sécurité de la République démocratique du Congo. Et la démocratie des États-Unis, et à l'île, l'on est mort la démocratie de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un pays de postes de conflit. Oyo, ma kambona ne vandi na siki sikite. La sécurité et alaka na babitelo et belé. L'anticipation, l'exécution et la protection. Mais quand vous me parlez des États-Unis, lorsque vous arrivez même dans la Maison Blanche dans les États-Unis, même baeba ko kambabiso bako, et sabiso keno, des mesures sécuritaires et ali déjà trop élevées que tu ne peux jamais t'imaginer. D'une manière numérique et électronique, d'abord. Non seulement ça, et d'une manière physique même. Le détachement, il y a baibasa la sécurité, la zone, je ne dis pas seulement la maison qu'on va donner. La zone. Mais oui, bien organisée. Et le travail de routine, il y a surveillance, et il y a d'une manière systématique. Donc, au cours de la boue, interview, journaliste a interviewé. Mais Ali, on a déjà. Non seulement pas comment, mais Ali, journaliste de service. Il sait détecter qui tu es, quoi tu es venu faire, et juste après interview, tu peux en payer le prix.
Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout d'abord, le poste de conflit en République démocratique du Congo, lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, on a dit que non, il aurait fallu tout d'abord sécuriser la zone. Parce qu'aujourd'hui, tout d'abord, là où nous sommes en train de tourner avec vous, nous sommes dans la zone présidentielle. Donc, nous sommes bénéficiaires tout d'abord de la sécurité présidentielle. Mm. Même les habitants qui sont tout autour de nous ici sont bénéficiaires. Il y a premier degré, il y a sécurité. Oyo, ils allient à la présidence de la République. Mais je me pose la question. Faisons seulement les analyses et les droits comparés. Bisso bakabiliste, je m'invite beaucoup plus à exposer certains secrets professionnels parce que c'est un domaine que je maîtrise quand même. Mm-hmm. On ne peut pas quand même exposer certains secrets de vie, déontologie à Makambouango. Maman Paulette, lorsque vous arrivez au niveau ya bureau au Babengi Palais de la Nation, Mayema organisaka sécurité ya esika oyo et ya li vraiment multiplié na ba secteur rebelle. Et sotoke na côté ya bambolombolo ya li na ba unité oyo ya li lolenge mo côté pour ne pas spécifier dans les termes techniques pour que ba tuba ko landa ba iba yango te. Ya li ya lolenge mo côté. Et na matos na bibundeli oyo ezali na bisika ya sécurité ya ndako ya tata mokonzi yali ya ntakate. Mais on se pose la question, ba barrière oyo to chaka ba barrière électronique oyo kanga koto ekinda koto pour que batu bazala na kisha kolika na balongo lango ebanda yali kolika. Mais malgré balongo na oyo katikati, mais quand vous arrivez juste à entrer à Kolongwa Place Tozali, pour beaucoup dans le département, il y a service d'intelligence, il y a déjà barcade moko ezali wana barrière monene ezali wana mutunyo sotwa likaka wana. Toi tu ne peux pas passer là-bas. Rien que ba toi service de balikaka wana na bato bali na identité. Ya okota kuno. Et deuxième barrière déjà, vous êtes déjà dans la barrière principale, ya okota na entrée kuno. Troisième barrière, c'est pas derrière, quand vous passez derrière chez nous là où nous sommes en train de tourner avec vous. Tout de suite là, vous êtes derrière, vous dépassez, primature, vous êtes déjà là. Il y a encore votre barcade. Vous, tel que vous êtes là, tu ne peux pas passer par là. Il faut avoir l'identité et l'autorisation et un macaro pour que au côté, parce que c'est une zone sécurisée. De l'autre côté, de même, tous les quatre requins. Mais, Tommy, tout n'a pas question. Les présumés criminels ou terroristes, Bayen a mis tout cas, Bayen a mis tout cas, ben, mon côté. Bayen a mis tout cas. Mituka obele ebele wana e ali na makaro ya visa de passage ya okota na bureau ya ndeko chulombote bazu yango batie ba drapo o ya republique leka ya kala avana no bakoma na bureau ya ndeko bautaki na ndako ya dignitaire moko ya régime place masasi ebetaki na ba policier ya dignitaire wana mibale bauti ko wa mais alerte ya butu wana, il n'y a pas les embouteillages encore moins. Mais lorsqu'on tire moko kaka ya balle, nabisika oyo ndeko batu ba garde na ba kufaki, nabisika place bureau ya tata mokonzi ali, ya combien de kilomètres? C'est des mètres à compter. Mais comment se fait-il que les services n'étaient pas à l'alerte? Masa sinyo so wana tu ebetami. Olandi pe mutwai de pes moko, ake kosa la émission, je cite bien na RTGA. A lobi yango ke no tango masasi ko beta machine de ko kamere bango ministre intérieur na bagade rapproché ande ko chilombo babanda ko festoyé anniversaire na Pullman do sa sous-entend que même la sécurité était déjà commise na alobaki yango penza mais émission je cite même le nom Joël qui est communicateur ya IDPS. Il a dit que quand ça tue ses kamere kazadi et commandant sécurité de M. Chilombo, c'était l'anniversaire. Il y a commandant sécurité de M. Chilombo. Il a cité même son nom, que moi je ne peux pas répéter ici, parce que je ne peux pas faire la publicité. Bako festoyer kuna. Donc, El Massassien Kobeta wana. Cela veut dire que même Bagardo Baki Libandana Wabanda Yokangote. Il est allé même au-delà en disant que non, Basayana soki balongwa ki au Bakenda ki na grand hôtel. Donc, Balingiba Boma 80% de sécurité Mokunzamboka. C'est lui qui l'a dit. Parce que surtout qui la justice on a pas comme là bas place soit calculer maintenant la distance place va changer à baba les alaki bazongi. Mais maman Paulette, je voulais tout d'abord éclairer les Congolais. Chez Kamere
il y a pas même détachement, il y a toute unité. Il y a une résistance. Batumi balé baoué pour que ba kota na lopango a kamere ba salama e ba sali. Mais baye na palais de la nation là où il y a détachement de plusieurs unités. J'ai dit bien plusieurs unités. Baye ba l'équipe première barrière pas na, na facilité nyon surtout baye na deuxième barrière pour bakoti mais il y a pas d'affrontement. Donc bateau baka détaché au balala qui na bureau wana. Basala ki nini air bateau na bakota ki na lopango. Parce que j'ai suivi quelque chose qui m'a vraiment très très choqué, j'étais vraiment sidéré quand j'ai suivi les communiqués du porte-parole du gouvernement de quoi de l'armée. Non, de l'armée. L'armée, OK. Parce qu'aujourd'hui, l'armée est politique aujourd'hui en République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui, l'armée sous le régime Tshisekedi commence à communiquer sur tout point. L'armée est dissuasive. L'armée agit. On ne peut pas exposer toutes les stratégies sous la place publique. Mais lorsque l'armée dit que non, je suis en train de féliciter les courages des répliques où il y a armée régulière et il y a qui l'intervention après pour n'akoya qu'on neutralise Basaya. Mais j'étais très choqué. Polani. Maman, vous félicitez là où vous avez failli. Mais chez Kamere, vous avez suivi, même sa femme a été interviewée. Madame Amida, elle vous dit que va vivre un traumatisme on a pendant une heure du temps, il y a un change de feu, il y a un coup de feu. Intervention est écoulée une heure du temps après. Et dans une heure du temps après, le service n'a surtout été saisi. Mais le long terme, Balika Pembe n'y a parlé de la nation, mais parlé de la nation, Isaac a l'air tête. Ils entrent, il n'y a pas eu affrontement. Les gens ont eu le temps de mettre les drapeaux en berne, Bazui à Bango, Bamatissi à Ngo, le temps là calmement. Ceux qui sont détachés à la présidence, ils étaient où? Et les porte-parole partent au-delà pour nous renseigner que non, Tobungi Siata Mutumoko, mais c'est gravissime. C'est gravissime. Est-ce que cette communication a été structurée vraiment et passée par les labos des techniciens avant que ça soit exposé sur la place publique? Donc cela veut dire que si, parce que le président de la République, il n'y a pas l'air où la Constitution a dit que non, le président de la République ne peut pas être à 4h du matin au bureau. C'est comme le cas avec l'ex-premier ministre ou comme mon autorité morale, il y a des fois, il avait à 3h du matin, il était au bureau. Si par exemple, à 4h du matin, là, 3h du matin, là, M. Tshisekedi était au bureau. Quel devrait être le sort de M. Tshisekedi? Non, madame, ça c'est une vaste aventure. Je pense que tout d'abord, même la communication a été mal cousue, présentée mal sur la place publique. Je pense que si aujourd'hui, vous osez seulement prendre seulement votre voiture, Kendo Toutaka Barkada à présent, si, déjà je vous informe, au niveau de la présidence, lorsqu'il y a un mouvement très suspect, atteinte à la sûreté. Garde nous surtout à l'île détachée. On a à l'île autorisation et à retirer. Pour la sécurité et la suite présidentielle, on tire sur toi. Ça, je sais. Nous avons géré ce pays pendant 18 ans. Mais comment batoua na bakoki koye na mituka? Batouti ba barrière. Un mouvement brusque qui alerte, qui démontre déjà que non, il y a un danger qui nous guette qui est là. Mais bah soda ou bazala qui on a donc bah qui m'a qui toko zela makamonyo sotango c'est qui banquette nyo c'est aussi la toki natangi awa papa Steve Wembe si biso lobi papa Ruto mokonzi ya mboka Kenya ayebi si biso lobi il faut kaka to solola na M23 parce que bango baza susu ba troupe belé belé te devons nous déployer plus de troupes ou devons nous déployer plus de gens pour s'engager dans les dialogues à la fin. Et c'est un rôle dans les Penzanini. Parce que bazo singa kaka bisoto solo la na M23. C'est ça. Ala et c'est obisoto za na kati, ba bi bo solo la ko bo baza ko mituna ba tout batinda plus d'hommes pour na bitumba, to plus d'hommes pour les dialogues. Mais maman Paulette Kimoto, je pense que tout d'abord pour enchérir ou soit pour finir ce qu'on était en train de parler pour la première question, quand vous dépassez là où nous sommes en train de tourner avec juste derrière vous.
Il y a des postes avancés ici des gardes républicaines, des unités distinctes ici, derrière au bord du fleuve. Même des bataillons wana, bayoka ki masasu ebeta kité. Je ferme la parenthèse. Mm. Maman Paulette, lorsque vous nous posez la question sur EAC, est-ce que M. Tshisekedi, avant d'amener la République démocratique du Congo, d'adhérer à l'EAC, est-ce qu'il avait maîtrisé le méandre de l'EAC? Est-ce qu'il avait lu les contenus qui composent l'EAC? Il y a un sérieux problème. Moi, je pense qu'on ne peut pas nous amener à réfléchir par type digestif, très cher maman. Ça énerve à un certain moment. Surtout pour nous, les kabylistes, lorsque nous avons sacrifié notre jeunesse, et notre jeunesse surtout pour léguer à M. Tshisekedi 145 territoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne se laisse pas déserner. Donc je pense que cette oligarchie organisée au sommet de l'État, ça doit prendre fin. Maman Paulette, je vous rappelle encore, M. Tshisekedi signe contrat avec l'EAC. L'EAC arrive, signe les accords avec l'EAC. L'EAC arrive en République démocratique du Congo. Mm-hmm. La prise de contact entre la République démocratique du Congo et l'EAC. Intervention na Bango ya Yambo, Mama Paulette. Général Oyo, Aaka ya Liboso Balongola, quel a été message principal naye, récit sous les instructions ya hiérarchie naye? Alobi ke non, biso toye awa pona kobundate. Biso toye awa pour observer, pour accoster la zone tampon. Mais or, sous les communiqués du régime Tshisekedi, on nous avait dit, et lui-même, M. Tshisekedi, nous fait des points de presse à l'étranger où il était, il nous dit que non, bandeko ya M23, bako sibir le pouvoir du fait. Bako zwa pouvoir et affaire. Mote kopé la, bako longoan. Mais le pouvoir de fait, erba ya wana kishasa, sous l'interview entre la République démocratique du Congo et l'EAC, on nous renseigne que non, nous ne sommes pas venus ici pour se battre, nous sommes venus pour la zone tampon. Mais M. Tshisekedi n'avait pas compris qu'est-ce que signifie la zone tampon. Et par la suite, il est allé un jour, quelque part, c'était en dehors du pays, où il parlait à un général affecté par son homologue, autre que président de la République, il y a pays où Azo Ebisaye, que non, bureau général Boya pour la protéger la population. Non. Souvenez-vous. Mais aujourd'hui, si M. Tshisekedi, il ne comprend pas que non, la solution de la République démocratique, il a ngai maman ngai na maman Paulette ndé tokopé ça yango. Ali ko kende ko luka yango libanda place ali ko maîtriser ba méandre. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. M. Tshisekedi se retrouve dans une salle quelque part à l'étranger où il y avait tous ces mondes là au basali ba déclaration. On a posé la question à M. Tshisekedi. Les M23, parce que vous accusez beaucoup plus Kagame. Oui, nous acceptons, nous sommes l'EAC. Nous voulons mettre fin sur cette affaire. Nous voulons analyser, nous voulons faire les analyses d'une manière approfondie pour que qu'on essaie un peu de dégager quelque chose. Essayez un peu de nous éclairer. Est-ce que les M23 sont congolais ou rwandais? Quelle a été la réponse de M. Tshisekedi? M. Tshisekedi avait confirmé devant ses collègues présidents de la République en disant que non, les M23 sont des Congolais. Mais si l'M23 c'était les Congolais, à quoi Kagame est beaucoup plus cité dans votre bouche que non celui l'agresseur de l'M23? Il y a des gens qui ont fourni Mindouki, qui ont fourni logistique, qui ont fourni Makamounio sauté. Mais c'est ça maintenant, quand vous suivez l'interview même du président, que vous me posez la question, Ruto, il a soulevé ses points. Que non, votre président avait accepté. On a insisté par des reprises que non, les M23 sont Congolais ou Rwandais. Et vous, vous avez accepté. Que non, les M23 sont Congolais. Pardon. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre que non, la République démocratique du Congo, on ne sait pas, Tolingi ni nubie, Tolingi ni nité. Si Kagame yende a ko soutenir ba M23 au Bali ba Congolais, mais M. Tshisekedi, il est le président de la République démocratique du Congo. Boni, nous allons seulement attendre que ba président et ba mboka moussousou ba yedisaye que non, il faut se lola la bande kono ba Congolais. Si réellement les M23 sont Congolais. Si lui-même, M. Tshisekedi a reconnu ça sur la place publique, que les M23 sont Congolais, mais qu'il appelle ses compatriotes Congolais à Sololo Nabango. Mais maintenant, c'est là où nous allons comprendre maintenant l'intelligibilité politique de M. Tshisekedi pour ne plus nous parler de l'infiltration. Parce que lui, il a accepté sur la place publique, que non, l'M23, Bali, ba Congoman. Mais aidé et soutenu par le Rwanda, wana yebanipe, bazoka minduki wapi. Mais c'est ça. Mais c'est ce que je voulais maintenant vous expliquer, maman Paulette Kimoto.
tel que moi je suis là, je suis congolais de père et de mère, maman Paulette Kimutu congolaise de père et de mère. Mais il y a un problème, un conflit peut-être d'intérêt qui oppose entre madame Paulette et monsieur Mbao. Nous étant congolais, mais madame Paulette vit ses limites, ou soit monsieur Mbao vit ses limites, il se veut vite soutenir par un pays, Yalibanda, outre que son pays naturel. Mais s'il y a un conflit interne, Oyo, il faut qu'on départage. Est-ce qu'il faut toujours faire référence à Batu Oyo, Bali, pour soutenir Batu O, Bali, Bakongoman, de même nationalité? Il y a un dialogue, on peut faire M23, RCD, Banani, pays, nous sommes tous les pays. C'est ce que je dis. Notamment, il y a un dialogue inter-congolais, il y a un pays, il y a un pays. Mais ce n'est pas même format, parce que je pense qu'on avait dit qu'on devait faire le spécial. Mais autre, il y a un maladie, mais tout ça, là. Maintenant, c'est ce que je dis. Format, Obiso, tout ça, là. Négociation et ali format moko na oyo lelo ezali ande. Oh bazo senga bisote et vous avez différent. Et vous avez différent. Pourquoi? Parce que l'RCD lorsqu'elle est créée en 1998, il y a aucun congolais qui avait créé qui était parmi ba cofondateurs ya RCD. Or les congolais sont allés adhérer na mouvement ya RCD pour avoir certaines responsabilités. Pour preuve, même quand nous sommes arrivés na table à négociation, ba congolais ba kana ba tâche ba responsabilité. O ba banda ko jouer na RCD, mais RCD zaki chapeauté na ba kolo vision na bango. Quand nous sommes arrivés à la table de négociation, vous avez constaté que non, l'RCD a présenté celui qui incarnait la vision de l'RCD Gom. Mais tous ceux qui étaient comme les acteurs qui accompagnaient la vision, ils étaient là, bah, bénéficiaient d'un pouvoir, il y a intégration, mais pas au degré, il y a Oyazala qui incarnateur, et incarnation plutôt, il y a vision, il y a RCD. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'EAC, qui peut dire aujourd'hui que Nanga c'est un Rwandais ou Nanga c'est un Burundais? Non. Nanga c'est un Congolais de père et de mère. Mais Nanga est soutenu par qui aujourd'hui? C'est là où nous devons réfléchir. Mais s'il faut couper cette fibre, ou pour couper cette hémorragie qui déstabilise la République démocratique du Congo, est-ce que si je réfléchis politiquement, est-ce que j'ai besoin de faire seulement référence de celui qui soutient mon compatriote? Non, il suffit que je fais appel d'abord à celui qui est le nôtre, on en discute à deux, c'est lui qui avait pris les engagements avec ses partenaires, il va nous donner maintenant cahier des charges de ses partenaires. C'est là qu'on va en discuter. Comment est-ce qu'il faut lui détacher avec les partenaires qui n'engagent pas la République démocratique du Congo ou soit qui ne profitent pas la République démocratique du Congo. Nous avons tourné l'émission Papa Nangambao, élection et bureau définitif, enfin et Assemblée nationale. Ma candidat n'est pas comme Kokota. Comment est-ce qu'on a dit? Enfin, awa. Ce qui est le gouvernement qui a investi, donc on a déjà le Congo et comme il a déjà, si il y a un sac qu'on a passé un bon ami, il y a Nicole Boitia qui a remplacé Nanina EPST, qui a remplacé Tony Mouabana EPST, puis Jacquemin Chabani qui a remplacé Rose Mutombo na justice. Comme il a déjà le monde. Donc, et vous m'avez dit, 18 ans pour Makambo, nous sommes salés, mais enfin, vaut mieux tard que jamais. Mais c'est ça que je vous dis, cette oligarchie organisée au sommet de l'État par M. Tshisekedi. Il fallait essayer là. Parce que prise en otage, il y a pouvoir, il y a Bakongoman par un groupe de gens où il va mettre le pays à genoux. 5 personnes. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a signé les documents? C'était hier à 21h qu'on a signé les documents là. Pour que bah, organiser ma Ponamiwana l'élo de 21h. À 11h aujourd'hui, les élections. Je réfléchis étant politique. Pourquoi est-ce qu'on a accéléré ainsi? On a accéléré tout simplement parce qu'il y a clameur publique dans l'opinion, c'est qu'on dit que non. Et Oumeli, non seulement Oumeli. On a failli tuer Kamere pour... Pour ça. Ah, maintenant, okay. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a aussi ce qui s'est dit, donc, un faux coup d'État. Il y a ça. Maintenant, pour anticiper, pour faire cette diversion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner une autre information dans la population pour que la population se focalise de ce qu'on a tant crié
pour ne pas donner la solution. Mais c'est ce qu'on vient maintenant d'étonner. Maintenant, quand vous lisez maintenant la composition, qu'est-ce qu'on a changé par rapport à ce qu'on disait auparavant? Non, ce n'est que la même chose. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne va pas résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Même si on mettait, tu sais, et on mettait Kamer aujourd'hui, il y a les défis à relever et ça serait toujours bloqué par même format. Au moment où il va bloquer l'installation du bureau définitif, c'est le même format que nous allons vivre. Pourquoi? Parce que cette nébuleuse qu'on appelle Union Sacrée a été mal réfléchie. Vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en politique, il faut l'incarnation, il y a leadership moko imprimé pour entraîner ceux qui sont tout autour, qui doivent fédérer sur une vision imprimée. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, l'erreur qu'a commise ces derniers, c'est quoi? C'est d'accorder les pouvoirs, soit chaque... comment est-ce que je peux dire? Décentraliser les... Non, ce n'est pas même décentraliser. Lorsqu'on décentralise les pouvoirs, il y a chaque parcelle est définie et circonscrite. Mais aujourd'hui, avec Présidium, tous ont même pouvoir. Quand Maman Paulette décide, moi, je ne peux pas se dédire de ce que Maman Paulette en décide. Ngapé na lobi que non, na kosala yangote, je m'en décide outrement. Bemba n'est pas supérieur à Tsam. Sama n'est pas supérieur à Kabuya. L'autre n'est pas supérieur, mais les lots qui Kabuya s'appellent a bloqué parce que les terrains. Langa star les sept Batakura rouge, les sept patrons, voilà, de Bangouan, cette noblesse là. C'est pourquoi je vous dis que c'était mal réfléchi. Or, Tshisekedi n'a pas maîtrisé le méandre de la politique. Il s'est fait embourber par ses félins politiques, Mobimba. Voilà aujourd'hui. Plaque tournante, wana, ali na maîtrise na ngote. Pourquoi? Parce que si plaque wana est tournée, et comme il place ya Bemba, Bemba tel intérêt na eza retrouvé na place wana, a fini. Oh. Et s'arrêter place wana. Bino bozali ala boze leko tourné ya, et koyate. Soke leki est comme il place baati ya ali, baati a tel intérêt na eza lite, il bloque. De même avec Amel. Donc, voilà. Or, à l'écart, ce qui n'est pas le cas avec nous, on peut perdre. On peut perdre la vision de Kabila a été imprimée et exposée na batu oyo ba bengami ba consommateur à premier degré ba ali ba animateur ya parti na ya famille politique. Je me pose la question. Kabila qui était l'autorité morale ya FCC. Kabila donne sa vision. Ma vision se définit en ça. Moi, celui qui va animer l'Assemblée nationale, c'est X. L'autre, ça. L'autre, ça. Je me vois trop mal placé que je vois, par exemple, aujourd'hui, président Minak sort sur la place publique et dit que non, oh, le président Lobby n'a pas ça à monter. Ou bien, le professeur Ramazan Shadar sort sur la place publique et dit que non, mais le président Lobby, je ne peux pas m'exécuter. Non, madame Paulette. Les partis politiques sont les faits privés. Mais c'est ça la discipline. Quand vous lisez les statuts ou le règlement ordre intérieur de la partie, et à la cana, ou le article, il y a instauré. Discipline, il y a partie, il y a limite, il y a bactère, ou il y a animé la partie. Parce que partie est alignée, partie est alignée, fait privé. On l'a mouki au créé fait privé, naïo. Ngai mba ou naye ko adhéré na vision ya maman Paulette. D'office, ce n'est pas que non, la démocratie fait de moi une libertinage ou yon a kouya ko bouka maïyo ko pe sangalo. Non, non, nga moutou naye ko adhéré na vision naïo. J'ai l'obligation de se soumettre tout d'abord na vision naïo. Je n'ai pas tout d'abord à corriger. Moi, je propose, s'il y aura les amendements pour bon climat, on peut amender pour que, bon, élargir la pour ma camboy qui est bien. Ce n'est pas à toi qui est venu adhérer à ma vision de m'imposer ta vision à toi dans ma vision. Non, ça c'est ce qu'on appelle désordre organisé. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas la vision. Bemba amène sa vision. Sam amène sa vision. Kamer amène sa vision. Ils imposent maintenant leur multiplicité de visions dans l'assiette de M. Tshisekedi, où l'absence de sa vision est constatée, voilà ce que la République vit aujourd'hui. Nous sommes dans la rue. Or, si M. Tshisekedi avait imprimé cette leadership au sommet,
de cette noblesse qu'on appelle l'Union sacrée, personne ne pouvait pas. Si tu es en dehors de cette vision, tu es écarté. Parce que c'est ma vision à moi. J'ai le plein pouvoir de l'impérium. Je peux te sanctionner, je peux te révoquer, je peux te suspendre. Les règlements organisent. Mais si M. Tshisekedi est dans l'incapacité de le faire, vous voulez nous dire que non, aujourd'hui, on peut attendre encore quelque chose, même si on installait le bureau définitif de l'Assemblée nationale et les gouvernements sautaient. Non, 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 non. Tant que la vision de M. Tshisekedi n'est pas circonscrite, il ne faut pas attendre. Moi, je vous ai toujours dit, le problème, c'est M. Tshisekedi. M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir d'une manière accidentelle, c'est connu. Aujourd'hui, même si on prenait les conseillers des palais, les conseillers des Maisons Blanches, on prend des conseillers, il y a Champs-Élysées, Boyena Bango, la cité de Loya, mais M. Tshisekedi ne fera rien. Parce que le problème, c'est lui. Parce que la capacité de détecter les failles et de sélectionner ceux qui vont t'entourer en dépend d'abord de la capacité de celui qui sélectionne. Est-ce que c'est le cas avec l'Union sacrée? En tout cas, William Ruto a dit que le M23 est un problème congolais. Donc, soutien à EAC, tozo yebate, nenge nini, eko salema, tozo yebate, en tout cas. Mais ce n'est pas lui qui dit ça. Oui, c'est William Ruto. Non, non. C'est l'EAC Mobimba. Non seulement l'EAC Mobimba, d'où tire bah, il y a langage à EAC. Monsieur Ruto fait que relayer, fait que répéter ce que M. Tshilombo a prononcé sur la place publique devant ses homologues. Ndeko Tshilombo devant ses homologues naye à lobby que non M23 et Ali Bakongoman. Mais vous voulez que maintenant un président kenyan aya alobanabino que non ba M23 ba Ali ba étranger boni boni aussi longtemps lui-même le président de la République démocratique du Congo il reconnaît que non les M23 sont congolais comme lui. Mais vous voulez que l'EAC change en quoi? C'est pourquoi ce que l'EAC a changé les modes opératoires. Mm-hmm. Aujourd'hui, les modes opératoires de l'EAC, ça devient maintenant difficile de déraciner l'EAC na instance autocomi na instance autocomi nango parce que même au sujet moussou sous grave paix maizate na goma. Lelo na moni ba image batinde po nyo se komi nango publiable facebookable tout au monde ndenge bakangi ba jeune na goma parce que baza ko kotambola po na ko senga mai babi ça fait plus d'une semaine. Maï na goma ezate. Balobeli yango na TV5, balobeli partout, ba jeune balobi to telemato match. Na ko comprendre te, siko bino bolingi population marcha kaka soki ba politique ba sengi to marcha pona ba election, mais pona pasi na bango moko bolingi ba batu ba marcha kati. Ba bina goma ça ne va pas. Crise balobi na biso wa na goma la pénurie d'eau vient s'ajouter à la crise humanitaire. Donc imagine ce maï siko ezate. C'est la mort à goma. Mais maman Paulette, pas si mingi na goma penza. Mais constitution est bloquée ma etangate. Pardon? Constitution est bloquée ma etangate na goma. Oti kanal ba bloko wana. Mais qu'est-ce que le banin? Parce que ma enyo se tourne de kochi seke. Tala baso ke ne kozo ma. Bo tala, bo kota la bino bat wazala X. Bo ke na TV. Po biso soki to lobi, biso peka kamabe. Soki ba journaliste amboka la biso ba lobi mabe. Soki bato amboka ba jeune, bazo ni gaba tambo la mabe. Bo ke na TV 5, bo tala sika, population zo toka mai. Non, hein, population, la population, il y a un balobi qui pèse 73% de Ndeko Tshilombo. 73% de Maïba comme il y a un. Kabila Obotetta qui rwandais Maman Paulette hier, un dictateur qui a imprimé la dictature en République démocratique du Congo. Est-ce que Nagoma Bazanga Maï? Oui, des déficits techniques, ça peut intervenir, c'est tout à fait logique. C'est la technique. Mais aujourd'hui, c'est que tu vis. La province au Babengi Goma ndenge to kolobango. Ils ont enfer. Mais si déjà dans la capitale, là où M. Tshisekedi et toute sa bande résident, nous avons un sérieux problème d'eau. L'autre fois que je suis venu tourner avec vous ici, l'eau ne coulait pas ici dans la commune de la Gombe. Même ici, aujourd'hui, nous avons des délestages dans la commune de la Gombe. L'eau ne coule pas, elle est courante. Mais si déjà dans la capitale, là où M. Tshisekedi habite avec toute sa bande, nous avons un sérieux problème d'eau et de l'énergie, l'insalubrité qui ne dit pas son nom. Mais quand on parle de Goma, est-ce que M. Tshisekedi est intéressé à ça? Aujourd'hui, je voulais encore expliquer les Congolais, même les Gomatraciens. Kabila était dictateur, oui, vous nous avez traité de tous les mots. Mais dites-moi aujourd'hui, quel article de la Constitution qui bloquerait M. Tshisekedi pour donner l'eau potable
na ba ba kongomani ba kubika na Goma. Ba tu ya Goma wana mais c'est ce qu'elle a promettra bango agira ko kende ko vivre na bango même ko pesa bomo na naye pour que bande ko na biso Goma wana bazala na kimia. Sko kimia wala ka bango akenda ko vanda na bango te même mai ya ko pesa bango est comme problème. Mais au moins ici maman boali na batu oyo bakoki ko détourner 350 millions pour na kosala ba forage. Oh, le bokoki ko sala même na Goma ba na Goma ba meli mai. Non non. Un cacique ya IDPS a sepeli na ye, a ye azu mo solo na ye, a tient na poche a kei. Mais c'est ce que dit n'arrête pas les gens. Mais si c'était un cacique ou soit c'était un cadre du PPRD qui avait fait ça, il devait être aux arrêts. Mais aujourd'hui la personne qui a détourné les millions pour donner l'eau potable na ba population ya Congo, ba pesa ke 73% na mais c'est ce que dit abandonné à propre na leur triste sort. Bango bako kemba. Mais le pire c'est quoi? Non seulement ça, bako kemba bali na maite bako kende gozoa mai na maziba. Place insécurité ali makasi. Mais batambo lipo na ko manifeste. Parce que la constitution est garantie. Mai. Mai. Ya malamu. Ya malamu. Namba liberté ya manifestation. Ça garanti par la constitution. Voilà, lorsque on manifeste pour na kozwa droit na bango au constitution et pesi bango pour na kozwa maya malamu. Mais régime Tshisekedi de sali nini et kanyi bango. Mais si ko lelo boko yebisa ba kongomani li susu ke no toali na République démocratique du Congo. Non maman, moi je pense que aujourd'hui nous attendons Kamere, il est aussi de l'Est de Walungu, Bahati, il est de Walungu, il est de l'Est, mais vous êtes à côté de M. Tshisekedi, de Mbusa Nyamusi Ekonso, de Moyindo Sangi. Donc, vous faites seulement des bruits ici inutiles avec votre noblesse que vous appelez Union Sacrée. Mais la population qui vous donne des voix pour que Bino Boya ko vimba mitu awa na Kishasa, bango na bako zanga mai bako mela maite. Boali incapable ya ko expliquer autorité morale na Bino Mese Chilombo keno, la population qui fait que Biso toza la batu, toza la pembeni na yo, bako zanga mai. So dans l'incapacité, ici c'est fait que seulement... Comijoter, qu'est-ce qu'il faut arrêter les kabilistes? Comment est-ce qu'il faut arrêter les kabilistes? Comment est-ce qu'il faut arrêter les journalistes qui ne sont pas de même obédience avec nous? Mais des choses si importantes à réfléchir sur la place publique, comment est-ce qu'il faut servir la population l'eau? Non, là, ce n'est pas leur domaine. Là, ce n'est pas leur domaine. Comment est-ce qu'il faut évacuer les immondices? Non, là, ce n'est pas leur domaine. Maman, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, même si on changeait la constitution, on accordait encore à M. Tshisekedi 40 ans. M. Tshisekedi ne fera rien. Parce que les symptômes ou les indices sont déjà là que nos Tshisekedi n'a pas la maîtrise de la gestion de la République. Comment se fait-il que 6 ans jour pour jour aujourd'hui, ce n'est que les gens qui bloquent M. Tshisekedi? Quelle est la vision imprimée de M. Tshisekedi au sommet de l'État? C'est Kabila qui a bloqué encore le moment il y a régi des zones à Est. Ou bien c'est Chadari qui était allé à Kitaki na Est, à Kimono, à bloquer Tiyo ya Mai pour que Mai ait mal sous-souté. Mais si biso pene na quartier moko wa na Kinshasa ba tiongo eza ko kwea ba bi en tout cas érosion côté ya bien so benga quartier ngo nini ah kombo ngo kiminga ça doit être ba côté ba hyper noir eh ba côté wana ba lobi donc ba lobi ba tuyo pe ba to érosion ko risquer kata ba tuyo nyo so ya région des eaux ba ta côté kuna ba kanso ki nini ngo côté kuna ba hyper kuna so côté ni ba ko risquer bazanga sou mai mai e komi il ka moko très 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 sérieux. Voilà, tu as na souka papa. Non seulement même tu es na est. Donc si tu komika na Kishasa, boke na mbudi, est-ce que ba tambudi bazaka na maisha? Na Kishasa. Ba mbudi te. Mbudi. Ba tambudi ba na maite. Mais tu na bango so bazana mai. Moi je suis arrivé là-bas pour vérifier certains chantiers. L'eau ne coule pas. Oh. Moi je coule raté. C'est derrière la maison de M. Tshisekedi. Moi je pense que madame Paulette, aujourd'hui nous devons tout d'abord éclaircir la République démocratique du Congo. Tout éclairer ba kongomani ba e bango. Mais c'est ce qui dit ati batunyo surtout baé ba ko soutenir yé balobi ke non même yé moko bolandi yé li banda mboka lobi ke non constitution oyo ya li constitution malamu té et pe si mode ya malamu té ya jesho pour que a évoluer. Mais maman Paulette, si c'est ce qui dit que la constitution né ya li ko bloquer, la même constitution, c'est la même constitution que Kabila utilisé, comment est-ce que Kabila nommait le ministre? Comment est-ce que Kabila nommait le mandataire avec la même constitution? Mais que M. Tshisekedi d'aujourd'hui est dans l'incapacité de mettre le gouvernement en place sous la même constitution. Mais je me pose la question, maman Paulette. Soki oyambi batwa Tshisekedi,
va expliquer Bissou, article moko kaka ya constitution, oyo est bloqué, monsieur Tshisekedi, pour que atonga nzela ya kalamba mbuji, cheye na Kasai, une route stratégique qui va servir trois provinces, tous les trois Kasai, Kasai central, Kasai oriental et Kasai. La route kalamba mbuji, délabré na niveau moko impossible. Ici, vous avez vu M. Tshisekedi s'est déplacé avec les millions de la République pour aller poser première pierre et la construction de la route kalamba mbuji. Mais route wana lelo, ils ont envie de disparaître. Mais yebisanga article ya constitution nini oye bloqué développement ya route. Merci, ce n'est pas même au Katanga. Et puis, va expliquer Bissou. Article moko kaka ya constitution. Oyo esalike, M. Tshisekedi a la bloqué pour ne pas achever les travaux que Kabila a laissé pour la chute katende pour que l'espace Grand Kasai ezala alimenté na énergie électrique. Article moko kaka ya constitution. Toko tu na bango mbala sima. Toko tu na bango. Merci Papimba ou merci en tout cas na bango bakolanda biso. Allez vous abonner massivement na la Lion TV officielle. Partisan RDC, toza ensemble, en tout cas, toza kose la kaka gouvernement net, toko tourne émission, toza kose la bureau définitif y Assemblée nationale. Bon, moni na binomo na bilili ndenge. Vital Kamerhe à Koti, pe toko souhaite bonne chance na mama i, mama, kombo kiminga mabe a direct, mama na biso inamizi, toza ko souhaite pe le sou bonne chance po epe azali ko postule. Na bureau définitif ya Assemblée nationale. Toko kuta na bino mbala ya sima. Mais maman Paulette, toko si c'est Michel Bongote, je pouvais aussi placer quelque chose parce que les lots jour pour jour, ça fait une année et demie que mon ami Mukeba Nkosso. Ah, azobe la pe makasi. Oui, akobe la mingi na makala, les lots toye baka infraction na yez à la canine parce que les juges ne s'est pas encore prononcé. Mais ce qui me laisse moi vraiment un peu perplexe et je n'arrive pas à comprendre. Les faits qu'on avait reproché Stanis Boujakir, c'était plus pur que ce qu'on prétend reprocher Mike Mukebaye. Mais comment Stanis a retrouvé sa liberté que Mike Mukebaye? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'on peut s'éterniser pour garder les gens à Makala d'une manière. La justice est malade. Tosuki wana, la justice est malade. Tokomo anamino malasima.